Bienvenue à notre première séance de thérapie. Bonjour, bonjour. Vous êtes tous là parce que vous êtes à la recherche d'un troisième partenaire. Le but de ces séances est de vous aider à définir des règles pour que vous voyez qu'il est possible de vous engager dans une vie en trouple. Exactement. Une des raisons qui nous a donné envie de participer à l'émission, c'est la présence d'une experte pour nous aider à prendre ce virage. À chaque séance, nous aborderons un sujet différent. Donc, le sujet d'aujourd'hui est l'alchimie. On adore la science. Vous l'avez forcément déjà ressenti. Ça, oui. Voyons voir si les couples sont sur la même longueur d'onde. Le but de cet exercice est de réaliser que ce n'est pas grave de ne pas être d'accord, parce qu'on est là pour comprendre nos différences. C'est ça la clé d'une bonne entente. Sur les tables devant vous, se trouvent les photos des 14 célibataires sexy. Pour chaque question que je vais vous poser, vous choisirez la photo du célibataire qui répond le mieux à cette question. Répondez selon vos premières impressions, strictement individuelles. D'accord ? Compris. Allez-y, asseyez-vous. OK. Première question. Qui a le plus beau corps ? Faites votre choix. Regardez pas ce que fait votre partenaire. C'est bon ? C'est marrant. Il faut être honnête. Ouais. Bien. Lorraine et Dylan, retournez la photo. Cool. D'accord. Même réponse. Super. Ouais, bien joué. On a géré. Elle travaille dans les fitness. Et on coach des athlètes. Donc, c'est logique. Ouais, exactement. Très bien. Ensuite, c'est à vous, Brittany et Sean. Retournez vos photos. Qui avez-vous pris ? J'ai choisi Chris. Et moi, Mia. Deux célibataires différents. J'aime les gens musclés, qui sont en forme. Il nous faut quelqu'un de sexy pour que ça fonctionne. Je pense que je suis pas mal, Brittany est canon, alors on peut pas être avec un ton. Ça marcherait pas. C'est trop méchant, ça va pas. Ashmal et Rayman ? Ashmal et moi, on n'est absolument jamais d'accord. Je doute fort qu'on donne la même réponse à une seule de ces questions. J'ai pris Frank. Et moi, Jess. Frank et Jess, d'accord. Quand les mecs sont arrivés, il a tout de suite attiré mon regard. J'adore les hommes grands. Franchement, c'est un arbre auquel j'aimerais grimper. Ok. Pour lui, être beau, c'est être grand. J'avais des critères de taille quand on a matché. Heureusement que j'avais menti. On passe à vous, Corey et Wilder. J'ai choisi Becca. Et moi, Darin. C'était pas facile. J'hésitais entre Darin et Becca. Pour moi, elles sont quasiment ex aequo. D'accord, très bien.